d'abord au niveau de la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui avait affirmé dans son discours à l'occasion du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine que, et je cite, « L'Afrique n'a plus besoin de slogans idéologiques, elle a besoin d'actions concrètes et résolues dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement humain. » Fin de citation. Ensuite, au niveau de notre institution panafricaine, où le Maroc, dès son premier mandat au sein du CPS, entre 2018 et 2020, avait veillé à inscrire le triple nexus à l'ordre du jour des travaux de ce Conseil. Le Royaume, à l'occasion de sa présidence du Conseil en décembre 2019, sur le nexus paix, sécurité et développement, avait souligné la nécessité d'une approche intégrée et globale pour appréhender le lien entre la paix, la sécurité et le développement en tant qu'outil permettant d'atténuer la perpétuation des conflits violents et la fragmentation de la société. Enfin, au niveau international, en plaidant au sein des plateformes multilatérales et particulièrement au sein de l'ONU, à factoriser les besoins africains et les réalités africaines dans toute initiative visant la paix, la sécurité et le développement du continent dans une démarche partenariale et non d'assistance. Excellences, Mesdames et Messieurs, la conjoncture actuelle rappelle avec acuité la centralité du nexus paix, sécurité, développement dans toutes les considérations visant notre continent. Elle invite également à l'interrogation et à l'évaluation lucide des réalisations et acquis engrangés dans la mise en œuvre des initiatives visant la paix, la sécurité et le développement. Alors que la dernière décennie a été marquée par la prolifération des initiatives pour l'Afrique, les répercussions positives de ces engagements tardent à se faire sentir. À l'aune des chocs exogènes, aussi brutaux qu'imprévisibles, l'Afrique continue d'être cernée de toutes parts, comme en atteste ce bilan qui pousse à bien des égards à la pondération et à la sobriété des élans enthousiastes. Premièrement, la prévalence de la violence liée à l'extrémisme et à la radicalisation en Afrique a été multipliée par 17 depuis 2009, faisant ainsi du continent la région la plus touchée par le terrorisme. Deuxièmement, à l'échelle du globe, 8 sur les 18 pays qui ont enregistré une détérioration fulgurante de la situation sécuritaire entre 2020 et 2021 se trouvent en Afrique, soit 44%. Troisièmement, le coût humain du terrorisme a atteint des niveaux records avec une multiplication par 10 du nombre de décès entre 2007 et 2021. Le coût économique de ce fléau a été multiplié par 9 depuis 2007. L'impact économique du terrorisme en Afrique s'élève pour sa part à 171 milliards de dollars sur les 10 dernières années. Mais effectivement, ce n'est pas nécessairement un investissement là où on voit le secteur privé. Et l'enjeu, enfin le challenge, c'est comment mobiliser le secteur privé pour financer, pas, lorsqu'on parle de financer la sécurité, pour nous il ne s'agit pas de financer les armes ou de financer les militaires, mais plutôt comment financer des projets qui sont propices à installer une paix durable au niveau des régions, des pays. Et en fait, il s'agit également d'avoir les investissements qu'il faut aussi pour prévenir les conflits.